OK, alors je continue. Bon, le temps passe et puis donc je ne peux pas tout dire la différence entre le français acadien et le français laurentien, mais souvent les gens du Canada, ils savent, par exemple, en Acadie, ils roulent encore les R. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, le son « un » se prononce « un ». Donc, un chien, c'est un « chion ». Donc, un Acadien, c'est un « acadion ». Et c'est pour ça que leur parler, le parler surtout de la baie Sainte-Marie, qui est le plus traditionnel de tous les parlers acadiens, ils appellent ça l'acadion, l'acadien. Quelques mots sur le chiac. Mon Dieu, qu'on a beaucoup parlé sur le chiac. Qu'est-ce que c'est que le chiac? Ben, le chiac, c'est le parler des jeunes, c'était le parler des jeunes de la région de Nouveau-Brunswick, qui sont pas mal tous bilingues. Donc, ils ont commencé dans les années 70-80 à mêler le français et l'anglais, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emprunts. Donc, en anglais, on appelle ça du code switching, c'est-à-dire on passe d'un code, le français, à un autre code, l'anglais, à l'intérieur d'une même phrase. Donc, je vais vous donner un exemple de chiac. Ça, c'est tiré d'un jeune qui disait ça. Il dit, « Pretty much tout mon argent vient de mes parents. Un jour, well, soon, faudra que j'arrête de bummer off eux à cause que je sais qu'ils ne pouvons pas afforder de me faire vivre pour toute la vie. » Alors, vous voyez qu'il y a un mélange de français, d'anglais et d'expressions typiquement acadiennes comme « ils pouvons » au lieu de « ils peuvent », n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un exemple de chiac. Alors, c'était parlé par les jeunes. Évidemment, ces jeunes-là ont vieilli. Aujourd'hui, ce sont des parents. Et le chiac est devenu un peu leur parler langue maternelle. Donc, ils s'adressent à leurs enfants en parlant chiac. Et avec le temps, c'est sûr que l'élite acadienne française a décrié la perdition du français, que c'était affreux, patati et patata. Mais c'était une façon de communiquer entre bilingues. Et aujourd'hui, ça fait la fierté des néo-brunswickois. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'acadien qu'on parle à la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, et le français de l'île du Prince-Édouard ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup au chiac. Eux aussi, ils sont tous bilingues. Ils sont même plus confortables en anglais qu'en français, et donc ils ont tendance à mélanger le français et l'anglais, et le résultat, ça donne le chiac. Mais par exemple, à Caraquet, on ne parle pas chiac. On parle français. On parle français acadien. Le chiac, c'est vraiment très localisé dans la région du sud-sud-est du Nouveau-Brunswick. Bon, voilà. Je vais maintenant venir à la colonie du Canada. Hein, le Canada, qui était une des colonies avec l'Acadie, la Louisiane, etc. Le Canada, c'est aujourd'hui le Québec, etc. Alors, on sait que c'est Jacques Cartier qui a mené une première expédition en 1534. Il a planté une croix au nom de François Ier en Gaspésie et quelques mois plus tard à Stadacone, près de la ville de Québec aujourd'hui, l'année suivante. Et on sait également que c'est Samuel de Champlain qui, beaucoup plus tard, en 1608, donc presque 75 ans plus tard, fonde la ville de Québec. Mais on sait également que le développement de la colonie est très lent. Ils n'envoient pas beaucoup de colons comparé aux Anglais qui envoient plein de colons en Nouvelle-Angleterre. Par exemple, en 1640, il y a seulement 240 habitants, mais 50 000 Anglais en Nouvelle-Angleterre. 240 contre 50 000. Oui. Et en France, le Canada a très mauvaise réputation. Pour les Français, c'est un pays de Caïn. Voltaire, le grand écrivain, a écrit « Quelques arpents de neige », n'est-ce pas, en décrivant le Québec. Donc, les colons ne voulaient pas aller au Québec s'il faisait trop froid. Mais assez tôt, les Français du Canada ont commencé à s'appeler des Canadiens.
Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, on faisait distinction entre les Canadiens, ceux qui sont nés dans la colonie, et les Français qui venaient de France. Bien entendu, les Anglais ont continué à appeler les Canadiens les Frenchmen, parce que pour eux, c'était des Français. Mais les gens du Canada, eux, ils disent non, 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 nous, on n'est pas des Français, on est des Canadiens. Okay? D'ailleurs, c'est Marie-Mère de l'Incarnation qui a été la première à utiliser le terme français-canadien en 1666, donc au milieu du 17e siècle. Alors, on peut se poser la question, mais d'où venaient les colons? D'où venaient les colons qui se sont établis au Canada? Bien, il y a plusieurs analyses qui ont été faites. J'ai fait un petit peu de recherche. Donc, il y a des méthodologies différentes. Mais j'ai fait une espèce de méta-analyse, j'ai fait des moyennes, et le résultat est à peu près le suivant. 20% des colons viennent de la Normandie. 17% viennent de la région Île-de-France, c'est-à-dire la région autour de Paris, la région parisienne. 12% viennent de l'Aunis. L'Aunis, c'est la région de La Rochelle, que beaucoup de Québécois connaissent parce que, bon, il y a les festivals de La Rochelle, etc. Il y a 10% de Poitou, comparé à la majorité pour les Acadiens, et 5% de Saint-Onge-Perche. Donc, voilà à peu près la distribution. Donc, c'est pas mal différent de ce qui avait lieu pour l'Acadie. Ce qui explique la différence entre le français laurentien et le français acadien, surtout au niveau de la prononciation. Ce que les gens ne savent probablement pas, c'est que la majorité des colons n'étaient pas des gens qui venaient de la ferme. Ce n'étaient pas des fermiers, c'était des citadins. Ils habitaient les villes. Ils venaient de Paris, de Rouen, de La Rochelle. 45% c'était des hommes, évidemment. En général, les femmes qui ont émigré au Québec venaient des villes. Il y avait plus d'artisans que de paysans. Et ça, encore une fois, on a difficulté à se rendre compte de ça. On pense que les premiers colons, ben, c'était des gens qui savaient comment déjà manipuler la terre. Pas vrai. Ils ont dû apprendre. Ils ont dû apprendre parce que c'était des artisans. Et ils étaient assez jeunes. 28% des colons étaient âgés de 20 à 24 ans. 29 étaient âgés entre 25 et 29 ans. Donc, plus de la moitié des colons avaient moins de 50 ans, ce qui est tout à fait compréhensible. Un homme de 50 ans ou une femme de 50 ans n'a pas envie d'aller déménager de la France au Québec, surtout avec la mauvaise réputation que le Québec avait. Alors, maintenant, la question, c'est quelle langue est-ce que les colons parlaient quand ils sont arrivés au Canada? Alors ça a été, et c'est toujours un sujet de discussion parmi les historiens, parmi les linguistes. Comme je l'ai dit, la majorité des Français en France du 17e siècle ne parlaient pas le français du roi, n'est-ce pas? Ils ne parlaient pas le français, ils parlaient des dialectes, ils parlaient des patois. Mais, bien entendu, les colons qui sont arrivés au Canada, puisqu'ils venaient des villes, ils parlaient probablement en majorité des Français régionaux. Et étant donné que la manière que ça se passait pour embarquer sur un bateau, il fallait qu'ils attendent, bien, ils avaient l'occasion dans les villes d'apprendre des notions du français du roi. Ça veut dire que lorsqu'ils sont arrivés au Québec, la majorité des gens avaient une bonne notion du français du roi, c'est-à-dire ce qui est devenu le français. Et assez rapidement, les gens qui ne parlaient pas français, qui parlaient seulement le patois, ben, ils ont été obligés de se débarrasser de leur patois et d'apprendre le français. Une des grandes influences, c'est les filles du roi. Alors, c'était qui les filles du roi? C'était surtout des hommes, il n'y avait pas de femmes. Alors, s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Donc, le roi a décidé d'envoyer des femmes, pas n'importe qui. C'était surtout des filles qui avaient perdu leurs parents
les orphelines, qui étaient hébergées dans des couvents, etc., mais qui avaient été éduquées en français. Donc, la majorité des filles du roi, il y en a quand même pas mal, sont arrivées et ils allaient au Canada avec la ferme intention d'épouser des gars. Ils n'étaient pas là pour faire carrière. Ils allaient là pour être mariés et faire des enfants. Ils parlaient français. Donc, bien entendu, très rapidement, ces femmes-là ont enseigné le français à leurs enfants et en dedans de quelques années, tout le monde au Québec parlait français. À tel point que les visiteurs de France qui arrivaient au Québec louangeaient la qualité du français des Québécois. Ils disaient, ils parlent un merveilleux français, mieux qu'en France. Malheureusement, ça n'a pas duré, comme on le verra. Alors, donc, l'unité de la langue s'est faite très rapidement, probablement entre deux générations, au maximum trois générations, donc 60 ans. Tout le monde au Québec parlait français. Le même français que les seigneurs, que les soldats de l'armée. Tout le monde parlait à peu près le même français. Et c'est la même chose qui est arrivée en Acadie et en Louisiane. Donc, le français standard, disons, s'est installé très rapidement dans toute l'Amérique du Nord, beaucoup plus rapidement qu'en France. Alors voilà, et bon, je n'ai pas mentionné le rôle du clergé. Hein, le clergé, qui eux, par définition, parlaient le français du roi. Alors, bien entendu, les sermons, les services à l'Église, les baptêmes, les confessions, tout ça se faisait en français du roi. Et donc, les gens, ben, ils ont été influencés par ça. Et donc, le français s'est installé. Voilà. Revenons donc au français de ce temps-là. Malheureusement, on n'a à peu près pas de connaissance de comment on parlait au niveau de la prononciation. Enfin, on a certains indices, mais on n'a pas d'enregistrement. Mais on sait, par exemple, au niveau du lexique, que très tôt, les Québécois, les Laurentiens, si on veut, ont commencé à développer un lexique pour faire face à des réalités nord-américaines qui n'existaient pas en France. Donc, des arbres, des animaux, des végétaux, etc. Donc, par exemple, on a commencé à développer un vocabulaire spécifique au Canada. Donc, par exemple, abrier. Hein, aujourd'hui, on dit hein, abris-toi hein, pour te couvrir. Ça, c'est une nouvelle expression canadienne. Bredasser, qui est devenu bardasser. Ça voulait dire faire des petits ouvrages. Aujourd'hui, bardasser, ça veut dire faire du bruit, hein, arrête de bardasser, là, arrête de faire du bruit. Mais à l'origine, ça voulait dire faire des petits ouvrages. Corder du bois, hein, vous savez, hey, on va aller corder du bois que j'ai coupé. Éjarrer, pour quelqu'un qui s'écarte les jambes, hein, je suis éjarré. Garrocher des pierres, garrocher des roches, okay, pour jeter. Ça vient du Poitou. Mouiller. Quand il pleut, hein, il mouille. Ça aussi, c'est une expression du Poitou. Des rips de bois, des copeaux. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si on dit encore des rips de bois. Là. Les vieux, ils disent encore ça, des rips de bois. Oui. La tuque, ça, c'est un canadianisme. En français, ils appellent ça un bonnet. Mais nous, on appelle ça une tuque. OK? Il y en a qui ont disparu. Par exemple, dans le temps, on disait joyer pour des enfants qui jouaient beaucoup. On disait ils jouaillent. Ça, on ne dit plus ça. On parlait de la diabolicité. Ça veut dire des jongleries, des affaires pas très correctes. Un buffalinois, c'était un bœuf de race européenne qu'on importait de France. On appelait ça un buffalinois. Puis, bien entendu, on a emprunté des expressions. Des mots des langues amérindiennes. Donc, par exemple, Miquan. Miquan, c'est une louche. Awapu, des provisions. Ça, c'est un terme qui est à peu près perdu. Sagamité. Sagamité, c'est une espèce de bouillie faite avec du blé d'Inde. Un wawaron.
Tout le monde sait ce que c'est qu'un wawaron, hein, une grosse grenouille. Et ça, c'est une expression amérindienne. En général, au niveau de la prononciation, on a adopté la prononciation de la région parisienne. Donc, on a, par exemple, dans ce temps-là, à Paris, on disait « moi pitoué » au lieu de « moi pitoi ». Donc, on a adopté cette prononciation-là et on l'a maintenue. On disait « drette » au lieu de « droit ». On disait « nuit » au lieu de « nuit ». « ici » pour « ici ». « Ouellette », nom de famille, « Ouellette », « Doucette », etc. Donc, tout ça, c'était des prononciations typiques de Paris de ce temps-là. Évidemment, la prononciation de Paris a changé. Et nous, on a gardé, bon, à certains niveaux, on a gardé ces vieilles prononciations. La même chose à Paris, un mot comme « table », ben, on prononçait ça « tab ». On ne prononçait pas le « l ». Un livre, on disait un livre, on ne disait pas le « r ». Et c'est exactement ce qu'on parle encore aujourd'hui. OK? Bon. Alors, à partir du Québec, le français a commencé à voyager. Donc, on sait qu'à cause de la traite des fourrures, les coureurs de bois, les traiteurs, les pagailleurs, etc., sont partis de la vallée du Saint-Laurent. C'était des gens qui parlaient français, c'était des gens qui n'avaient pas d'instruction, donc ils parlaient le français populaire. Ils sont rendus en Ontario, dans la région des Grands Lacs, ils sont rendus dans l'Ouest, ils sont rendus dans l'Ouest américain, ils sont allés partout et ils parlaient français. Et donc, ils ont amené le français en une première vague. La conséquence de cette première vague, c'est le français des Métis de l'Ouest canadien, qui est un français très conservateur, qui reflète encore aujourd'hui certains traits de prononciation et de lexique de ces voyageurs, de ces pagailleurs, etc. Bien entendu, plus tard, au début du 19e siècle, il y a eu la vague, une autre vague de fermiers cette fois-ci, d'agriculteurs qui sont installés dans l'est du Québec, de l'Ontario, long de la frontière de la rivière Outaouais, et même plus loin à Hearst, etc., et ont fondé donc des communautés. Et ensuite, ils sont allés également au Manitoba, Saskatchewan et Alberta, et ils ont amené avec eux leur français, encore une fois, leur français populaire, leur français vernaculaire. Donc aujourd'hui, la diaspora laurentienne, que ce soit de l'Alberta, même la Colombie-Britannique, mais un petit peu moins, jusqu'à l'Ontario, on parle à peu près le même français. Bien sûr, dans les provinces de l'Ouest, comme en Ontario, on vit dans des minorités, on vit dans des communautés minoritaires, l'anglais est la langue dominante, et donc, tout le monde est bilingue, tous les francophones, à peu près, sont bilingues à l'Ouest du Québec, et donc, on a tendance à emprunter un peu plus d'anglais. On est un peu plus à l'aise en anglais qu'en français. Les jeunes, surtout, ont un accent un petit peu anglais lorsqu'ils parlent français. Même s'ils parlent bien le français, ils ont un petit accent qu'on n'entend pas au Québec. Alors, voilà à peu près, je ne sais pas, je pense que le temps a passé pas mal vite. Voilà à peu près. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose, le joual. Tout le monde, le joual, le joual, le joual. Qu'est-ce que c'est que le joual? Ben, finalement, le joual, c'est le français que parlaient les ouvriers québécois qui ont immigré à Montréal, ou dans les grandes villes, mais surtout à Montréal, et qui n'étaient pas instruits. Les patrons étaient tous des anglophones. Les expressions qu'ils devaient utiliser dans les industries, dans les shops, etc., c'était l'anglais. Et donc, ils ne connaissaient pas les expressions correctes en français. Donc, ils ont commencé à parler d'un windshield wiper, un bumper, un steering, un brake, une clutch, etc. Parce qu'ils ne connaissaient pas les mots français. Alors, c'était le parler populaire, encore une fois, le parler vernaculaire. Et l'élite québécoise, eux,
parlait français relativement correct. Mais dans les années 60, il y a des auteurs qui ont commencé à écrire des pièces de théâtre en joual, c'est-à-dire dans la langue populaire. Et ça a choqué le monde. Ça a choqué l'élite. Parce que, hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ça, c'est pas comme ça qu'on doit parler français. C'est d'ailleurs un prêtre, il n'est pas prêtre, non, c'est un frère qui était enseignant, un frère un tel, qui a écrit un livre, c'est lui qui a créé le mot joual. Il disait, on parle nat, on parle joual. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ou à peu près, qui parle joual. Parce qu'avec le temps, grâce justement aux efforts du gouvernement québécois et des universités, des écoles, on a appris les bonnes expressions en français. On ne parle plus d'un steering aujourd'hui, on parle d'un volant. On ne parle plus d'un break, on parle des freins. On parle plus de clutch et débrayeur. Tout le monde, surtout les jeunes, ils connaissent très bien les expressions françaises. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire « Ah, il parle joual ». Il faut dire « il parle vernaculaire ». Il parle le français populaire. Alors voilà. Il y a une question, je ne l'ai pas demandé, j'ai vu sur un post l'autre Oui. jour, ils ont dit le muskrat French. Tu as dû parler de ça, Ah, muskrat French? oui, j'en ai pas parlé. La raison que j'en ai pas parlé, c'est qu'il n'existe plus. Ah, OK. Et je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un qui parlerait encore ce fameux Muskrat French. Alors, le Muskrat French, c'est le français de la région de Détroit. Donc, Détroit, Windsor, Ontario. Pourquoi est-ce qu'on dit Muskrat French? C'est parce que, d'après l'histoire, les prêtres permettaient aux gens de la région de manger du rat musqué le vendredi, comme si c'était du poisson. Parce que le rat musqué vit dans l'eau, donc ils disaient, OK, vous pouvez manger du rat musqué le vendredi au lieu de manger du poisson. J'ai énormément de difficultés à essayer de mettre la main sur quelqu'un qui parle encore le Muskrat French. Je pense qu'il n'existe plus. Et il y a pas d'exemple. Bon, le premier dictionnaire du français québécois, disons, leur ancien, a été écrit par un missionnaire qui était à Détroit, le père Poteau, je pense, il s'appelle. Et donc, c'est très vieux, ce français-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, j'hésite de dire qu'il n'y a plus personne qui le parle. Il faudrait aller à Windsor. Est-ce qu'il y a encore du côté des États-Unis, donc du côté du lac Saint-Clair, etc., est-ce qu'il y a encore des Américains qui parleraient cette langue? J'en doute beaucoup, beaucoup. En tous les cas, sur Internet, j'ai fait une recherche pendant des jours en préparation de ce programme et je n'ai rien trouvé. On va parler de la culture, Muskrat, etc., puis le Muskrat French, mais c'est les gens, on ne parle pas de la langue. Alors voilà, malheureusement. Bon, merci. Merci, Robert. Je te remercie beaucoup d'être avec nous à CFRH 88.1 et 106.7. J'espère que tu nous reviendras prochainement avec un autre projet pour nous discuter de la langue française. Ça fait que merci D'accord. beaucoup, puis bonne journée.